Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un petit colis. C'est le tout début de la vidéo, donc là je recevrai les autres trucs, la perche, tout ça après. Et là on va commencer par ça et les audios à venir, je déballerai mon micro, tout ça. Donc là on va tout de suite déballer le premier truc. Donc c'est parti. Alors je vais mettre mon portable, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais une ouverture facile. Donc ça c'est le filtre antipop, on est. Ou mon micro, je sais pas. Ou mon micro. Si c'est le filtre antipop, mon micro il arrivera demain. Ah non, là c'est le micro, ok. Donc regardez ça. Regardez là. Attendez, on va pousser ça. J'ai pu observer la qualité de son de ce micro qui est vraiment pas mal dans les vidéos. Donc normalement il vrai comme ça. Il n'y a pas une petite canne, ouais, il y a une petite perche. Donc regardez. On pousse ça. Là on a un petit trépied. Genre pour le mettre. Donc voilà. On passe tout de suite au micro. Putain, il a l'air pas de sa mère quand même. Wow. Donc c'est du jack, du XLR qui va directement en jack. Là il est hyper léger les mecs, il est hyper léger, ça c'est bien. Donc c'est pas du tout choquant si je le mets comme ça devant ma bouche, mais il est hyper léger. Donc là, regardez, on peut directement, attendez je vais me mettre de jour, on peut directement régler le volume du son. Voilà, il c'est très très léger, ça fait pas du tout son poids. Regardez, deux micros de studio. Et genre, ils sont hyper hyper lourds. Enfin, c'est à mon père, mais deux micros studio, ils sont hyper lourds. Et là, on a un vraiment petit micro comparé à un vrai micro de studio. Et regardez, juste la taille. Enfin, c'est pas si frappant que ça là, mais c'est vraiment léger. Et ça vous dit qu'on va tout de suite le brancher à mon PC. Et je vous retrouve quand il est branché. Allez, salut. Stylé, le placement de produit, on regarde pas. C'est pas du placement de produit. Stylé, les mecs, stylé. Là, il est branché. On va genre le mettre comme ça, c'est très bien. Bon, ce qui me dérange un petit peu, c'est que le fil est court. On va pas dire très, très court, mais du coup, regardez ce qu'on va faire sur mon casque, les mecs. On va regarder l'utilité de ce casque. C'est que regardez, c'est un micro polyvalent. Donc c'est un très bon micro, hein. Micro polyvalent. Donc vous pouvez le brancher par jack partout. On va le poser là pour l'instant. Et je vais le brancher derrière mon PC, j'arrive. Bon, salut les mecs, donc du coup là on s'est coupé au moment où on avait branché mon micro à mon PC. Donc j'ai toutes les images sur mon PC. Et là on est beaucoup de jours après. Ça va, je vais vous montrer un truc.
Oui, ça va. Ça va, chat. Ah, le mental, là. Regardez-le. C'est pour toi qu'on unbox. Regardez, mec. Il est arrivé plus vite que le filtre anti-pop, alors que le filtre anti-pop lui a été expédié. Vous unboxez ça, les mecs. C'est une perche comme ça. T'as l'air vraiment pas mal. On va le mettre de côté. Je suis pas sur le même au même endroit que la dernière fois quand j'ouvre ça. Ben ça après, ben ça après. Et ça c'est pour tenir sur la table. Je vous montre après. Et là c'est la perche. Donc pour moi je crois que c'était le filtre anti-pop, tu vois, mais non. Il y a le filtre anti-pop avec ou pas? Non, non, ouais, il n'y a pas. Il n'y a plus rien. Hop, donc tout d'abord, on a une petite perche. Donc c'est une perche qui prend pas beaucoup de place comparé à l'autre que je vous montrais que j'ai actuellement. Nice, ça. Bon, il y a un peu d'eau dessus. Il fait froid chez moi. Grenoble, l'air. Pas mal, pas mal. Là, ouais, ok, on peut la mettre un peu où on veut. Du coup, attendez. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Ça. Regardez, c'est là on met le micro, mais les mecs, attendez. C'est là on met le micro. Donc on peut régler la taille et tout. Donc, je vais vous montrer juste après. Alors ça. Et la tête de mon chat qui dépasse. Lol. Ça c'est pour juste mettre sous sa table. Donc je vais vous montrer juste après. Donc ça vous le calez sous votre table. Ça c'est ce que j'avais avant. Genre qui prenait tout ça jusqu'en bas. Alors c'était un peu caca. Je vais vous montrer maintenant. Je vais devoir le faire à une main les mecs. Regardez là. On est bien. On va pousser l'ancienne perche. Ok. Hop. Là après, faites quoi vous resserrer.
avait tout petit vu comme ça. Ouais, vous pouvez la bouger quoi. Et là, là et là et là, on va rechercher les trucs là-bas. Voilà. Et là, on met le micro. On met le micro. Comme ceci, hop. Et là, regardez. Et voilà. Et là, c'est totalement bon. Regardez. J'ai vu ça. Bon, les mecs. Regardez ce que ça donne. Genre comme ça. Truc de ouf. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà les mecs. C'est tout pour ce micro. Donc vous avez pu entendre la qualité du micro pendant mes lives. Et mes autres lives sur YouTube, donc merci énormément pour les 100, on a 115 abonnés, 100 abonnés les mecs, ça fait pas mal déjà. Je sais pas ce que je vais vous faire pour l'instant, là je suis l'après-midi, je peux pas trop voir le truc, donc on verra, si je voulais que je vous fasse un montage PVP ou je sais pas quoi, bon je verrai ce que je vais faire. En tout cas, ben, merci beaucoup pour les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sneakzy, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, tout ça, de comment je vais monter en abonné, tout ça, grâce à Sneakzy, enfin voilà, je vais parler de tout ça dans une autre vidéo, j'espère que là le son de mon micro est pas mal, sinon ben n'hésitez pas à liker si vous aimez les unboxings comme ça, partager, commenter, et puis moi ça me ferait super plaisir, et salut les mecs, à plus pour une nouvelle vidéo, salut les mecs.